Cyril Baudin. Oui. Bonsoir. Qu'est-ce que tu fais en fait au bus Palladium? Je suis un peu entre les étages. Je suis DJ en haut, animateur au milieu, puis dame pipi en bas. Voilà, j'essaie un peu d'être partout. Okay. Ah, ça va tout le monde? Est-ce que tu peux me parler un petit peu du courant Adanowski? Bonsoir. C'est plus qu'un concert, nous allons vivre un show, nous allons vivre un état. C'est une sorte de showman d'Amérique latine qui allie aussi bien les musiques un petit peu traditionnelles. Il y a des influences traditionnelles, des influences rock, il nous fait des petites pirouettes à la Michael Jackson. Yama, 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 yama. À chaque fois, il y a toutes les groupies qui s'embrasent et tout. Il fait le show, il est super généreux. Alors, Adanowski. Bonsoir. Oui, bonsoir. On commence l'interview. Ouais, d'accord. Il a créé là-bas, entre Los Angeles, Paris et le Mexique, un nouvel album qu'il va vous faire découvrir ce soir. C'est génial, cette sensation de se réveiller, d'être heureux, tu vois. Et je sentais ça ce matin. Je suis heureux de jouer à Paris en ce moment. Ça me fait du bien. Ici, c'est vraiment mes racines et c'est bon, quoi. Pourquoi, en fait, il se représente très très peu sur scène? Bah, parce que là, il était en tournée, en fait, en Amérique du Sud, donc il s'est présenté beaucoup, mais pas chez nous. Donc on a l'impression de voir peu, mais en fait, il tourne vraiment beaucoup. J'étais triste parce que, tu vois, la France, c'est là où j'ai grandi. Et c'est l'endroit où vraiment on m'acceptait pas, tu vois. Ça marchait partout sauf en France. Cette chanson parle d'un type qui en a marre de l'obscurité, qui commence à aller vers la lumière. Voilà. Dans quelles conditions tu as créé ton nouvel album justement? Je suis resté 4 ans avec une femme et elle est partie à Berlin. Et pendant 2 mois, elle m'a pas appelé. J'étais tout seul à la maison en train de l'attendre. Et je souffrais, tu vois. Et je dis, mais qu'est-ce que je vais faire? Et je dis, ok, je vais. C'est le moment pour moi maintenant, je suis seul, de faire mon album. Je vais l'écrire. Et j'ai écrit mon album en 1 mois, à la maison, sous les toits de Paris. En fait, on se sent seul parce qu'on réalise pas qu'on est complètement connecté aux autres, tu vois. Raconte-moi un petit peu comment tu te prépares toi avant un concert. Écoute, je crée mon propre dieu, c'est-à-dire je m'enferme dans un endroit où il n'y a absolument pas de bruit et j'appelle tout, c'est vraiment, bon, c'est un truc que j'ai jamais dit mais c'est pas grave. J'appelle tous les gens qui m'ont inspiré, je les appelle pour qu'ils rentrent en moi. Je dis je veux la force de Jésus, la force de l'amour de Jésus pour les gens. Je veux les pas de danse de Michael Jackson et James Brown. Je voudrais la présence d'Elvis. Tu vois, je demande des choses comme ça, je me mets comme ça, avec les mains ouvertes. Et j'aspire. Et à la fin, oh, je ferme les mains comme ça. C'est aspiré à l'intérieur de moi. Et là, j'ouvre les yeux et oh, je me sens plein d'énergie. C'est mon ami d'enfance, Nicolas Hellman, que j'aime tout mon cœur. C'est un peu de la superstition aussi quand même, si tu te prépares. Oui, je suis un peu superstitieux. Par exemple, je dis que je ne crois pas en ce dieu, le dieu religieux, tu vois, des livres. Et quand je suis dans un avion et quand il commence à trembler, c'est incroyable et je ne sais pas ce qui m'arrive, je deviens tout de suite religieux. En fait, je me rends compte qu'au moment de la peur, du dernier moment, presque où on est proche de la mort, oui, on est complètement connecté à notre côté totalement spirituel, en fait. J'ai eu des moments de magie sublime dans ma vie. Quand je suis allé voir un guérisseur au Mexique, parce que j'étais fermé émotionnellement. Je me souviens que j'étais sur le lit couché, c'était dans une rue à Mexico, il y avait plein de gens qui passaient, des voitures. J'étais dans vraiment un hôtel miteux, tu vois. J'étais sur le lit, et il y avait plein de puces qui sautaient. Mais bon, les puces sont devenues mes amis après. Et là, il y a mon torse qui a craqué, qui a fait qui s'est ouvert. Et j'ai commencé à respirer, Et là, je suis rentré à Paris et c'est là où j'ai choisi le nom Adanowski. Parce qu'il fallait un changement. Il fallait que je me transforme. Et c'est là où ça commençait. Dis-moi si me amarás.
but dans la vie, c'est de faire les choses. Voilà, je ne voulais pas rentrer dans un système, je ne voulais pas passer mon bac. Donc j'ai arrêté l'école et j'ai dit non, je ne veux pas rentrer dans ça. Moi, je conseille à tous les artistes d'arrêter l'école. Il y a des gens qui vont à l'école tout le temps, qui vont à l'école et qui vont à l'école et qui vont à l'école et qui ne font jamais finalement. Voilà, moi, si je ne crée pas, je ne suis pas en activité artistique, je me sens mourir. Et pendant tout le premier album, en fait, c'était ça, se mettre en représentation, frimer, danser, montrer, tu vois, pas être timide. On se jette à cage au lion. Maintenant, avec ce nouveau disque qui est beaucoup plus calme, j'essaie d'explorer autre chose. J'essaie justement d'explorer l'énergie, pas par la violence et par le cri et la danse et tout ça, mais par un truc intérieur, en fait. Tu vois, j'ai envie que les gens soient émus. C'est pas seulement, j'ai pas envie seulement de les faire rire et de les amuser, j'ai envie qu'ils soient émus aussi. Est-ce que tu as eu des facilités dans ta vie que peut-être d'autres n'ont pas eu? Oui, bien sûr, j'ai eu des facilités. Je serais hypocrite de dire que non. Je cherche vraiment à me surpasser moi-même, tu vois, pas lui, moi-même, c'est ce qui m'intéresse. Les facilités que j'ai eues dans la musique, aucune avec lui, aucune. Il connaît personne. Il y a des fils d'eux qui font des choses et qui ne durent pas, tu vois. Ils font des choses parce que c'est des fils d'eux, ils ont un nom, donc on leur fait faire quelques projets et ensuite ils meurent, ils n'existent plus. Moi je dure parce que je me bats pour ça. Ouais. Voilà. Il faut lâcher ses peurs, c'est la seule chose en fait. Partie de cet univers. C'est-à-dire qu'on est l'univers, non ? Donc on est complètement éternel et infini.